On en parle sur Skyrock. 6h46, c'est l'actu du show business. Avec au programme aujourd'hui, le chanteur mort du jour, Patrick Bruel. La migale du jour, c'est Lady Lesty. Et le divorcé du jour, vous le savez, c'est Mike Jackson. Et on commence par le chanteur mort du jour, c'est Patrick Bruel. Alors pourquoi le chanteur mort? Parce qu'il est mort. Ben non, il est mort. Il était mort et il a ressuscité. C'est pas vrai. Plus personne n'en entendait parler. Bon, tout ça. On se disait, tiens, il fait plus d'album. 5 ans qu'il n'avait pas fait d'album. Et ben voilà. Et ben le retour de Patrick Bruel, c'est donc pour maintenant, avec un album qui sort aujourd'hui d'abord. Alors pourquoi ce nouvel album après 5 ans d'absence? Peut-être il a retrouvé sa voix. Oui, parce qu'il l'avait cassé. C'est vrai. Ça, il avait cassé la voix, puis il avait cassé la voix. Ah non, il devait avoir besoin d'argent. Bah, peut-être pas, parce qu'il faut quand même signaler que Patrick Bruel a été sacré champion du monde de poker à Las Vegas l'année dernière. C'est donc pas vrai. Il faut déjà toucher sa mère pour pouvoir être comme il ça. Il a dû gagner pas mal de pognon là-bas. Énormément. C'est pour les femmes, il a besoin d'une gonzesse, c'est clair. Alors ça, c'est peut-être pas faux, parce qu'en fait, il le dit lui-même, son album est autobiographique. C'est sûr que maintenant, à 40 ans, oui, car Patrick Bruel a 40 ans. C'est pas vrai, je lui donnais carrément moins. Bah, il a besoin d'une femme qui s'occupe de lui, tout ça. Mais en tout cas, il est sûr d'une chose, et là encore, c'est lui qui en parle, c'est lui qui le déclare dans la presse, il ne veut plus de ça, c'est fini, il n'en veut plus. Ah, il veut plus de midinette quand c'est fini. Non, il considère que c'est la seule fausse note dans son histoire d'amour avec le public, c'est des histoires de Patrick Pasty, plus pouvoir manger de pizza sur les Champs-Elysées comme tout le monde, il n'en peut plus, donc c'est fini. Quand vous verrez Patrick Bruel dans la rue, on sait jamais, ça peut vous arriver, surtout ne faites plus Patrick, parce que ça vraiment, il va vous en coller une, il supporte pas. Alors nous, on a fait un comité de soutien à Patrick Bruel contre les Patrick. Et on vous a demandé, vous auditeurs de Sky, de vous manifester, de proposer des nouveaux Patrick, parce qu'une star, ça a quand même besoin d'être appelée. C'est normal. Patrick. Voilà. Alors, on vous écoute. Patrick. Oh, Patrick. Putain, Patrick. Patrick. C'est qui Patrick, là? Oh, t'as pas vu Patrick? Patrick. Ah, c'est trop drôle. Que le côté Lascar, ça va trop lui plaire à Patrick. Patrick, t'es un merde. Et elle, comment on l'appelle? Lady Lesty ou l'Amigale? On l'appelle l'Amigale, hein, c'est son surnom. Lady Lesty qui était invitée la semaine dernière de Planet Rap, l'émission rap de référence de Fred, hein, tous les soirs 20h-21h, on lui fait un petit peu de pub. Et elle sort justement, elle aussi, elle sort son album aujourd'hui. Elle, ça faisait pas 5 ans. Hein. C'est un album qui s'appelle Black Mama et qui est produit par Joey. Joey Star, bébé. Joey Star. Alors donc, on lui a demandé comment ça s'était passé, sa collaboration avec Joey Star. Parce qu'on se demande s'il est pas trop bourru, Joey Star. Est-ce que c'est facile de travailler avec lui? Malgré les apparences, Joey Star, c'est quelqu'un de très patient et à l'écoute des autres. Il a su parfaitement me diriger sur la réalisation des quelques titres qu'il a fait sur l'album. Et en fait, il était plutôt compréhensif, je vais dire, parce que bon, il comprenait que je pouvais pas être aussi professionnel que lui. Pour moi, c'était une bonne collaboration et si c'est possible de recommencer, il n'y aura pas de problème. Oh, bah, c'est touchant. Ça fait plaisir d'entendre une femme qui ne se plaint pas de Joey Star. C'est incroyable. Alors, on lui a aussi demandé si elle avait une petite anecdote sur sa collaboration avec Joey. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas lui qui avait envie de me frapper. C'est plutôt moi, parce qu'il y a des moments où vraiment il me mettait hors de moi, quoi. C'est-à-dire que il me faisait des remarques où je me sentais vraiment nulle, quoi. Je me disais, ah non, je suis nulle, je sais rien faire, c'est nul. Et quelque part, le fait que ça me mette hors de moi, ça me faisait aller encore plus loin, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où je le regardais de travers comme ça, j'en avais marre et j'étais énervée, mais franchement, ça s'est bien passé, c'était ouais. Cool. Ouais, grâce à Joey Star, elle est allée plus loin, il lui a fait monter. Et le regarder de travers, j'aurais pas aimé être en face, moi. Bon, enfin bref.